Good morning, Aleiden. L'étude aujourd'hui sera le Nishmat Rachel Batsara Yaakov ben Aisha et l'Irfuat Rav Yosef Chaim ben Emma Simcha. Nous étudions Baba Kama Perek Aleph Mishnah Dalet. Ra'a et Ametzia venafal Alea, Uba Acher ve'echazik ba. Ze she'echazik ba, zachaba. Ra'a otan ratzin achar Metzia. Achar tzvi shavur. Achar gozalot shelo parochu. Ve'amar, zachta li sadi. זכת לו. היה צבי רץ כדרגו, או שהיו גוזלות מפריחין, ואמר, זכת לי סדי, לא אמר כלום. Pour introduire cette Mishnah, d'abord, on va rappeler une notion qu'on a déjà dit depuis le début de cette Masechet, qu'il faut bien insister dessus, c'est que on acquiert une chose que lorsqu'on fait un acte d'acquisition, niant, désirant ardemment l'acquérir, ni en le regardant, l'ayant vu le premier. Concrètement, ça s'exprime comme ça, par exemple. Imaginez qu'il y a un billet de 100 shekels juste par terre, là, qui appartient à personne. On apprendra dans le Perek bête, dans le deuxième Perek. C'est quelque chose qui n'a pas de siman. Donc j'ai le droit de le prendre quand je le trouve dans la rue, et j'ai pas besoin de chercher qui était son propriétaire, parce que je ne le trouverai pas en l'occurrence. Donc concrètement, un billet de 100 shekels par terre, je le vois, je fais 100 shekels, et je cours, et quelqu'un d'autre vient et le jip. Même si lui, il ne l'a vu que grâce à moi. C'est lui qui l'acquiert, c'est pas moi qui l'acquiert. Plus que ça, la Mishnah nous enseigne quelque chose d'encore plus fort que ça. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait l'acte d'acquisition. Je l'ai vu, mais habata be'efker lokanya. Voir un objet, efker, ne me donne pas des droits, ne m'octroie pas des droits sur l'objet. Je ne l'ai pas acquis. D'accord ? Donc, idem, la Mishnah maintenant va nous apprendre un cas encore plus osé. Regarde, on le fait dans les mots tout de suite. Ra'a et ametzia venafal alea. Il a vu la trouvaille, donc le billet de 100 shekels, d'accord ? Ra'a et Ametzia, il a vu la trouvaille, venafal alea, et il a plongé dessus, il l'a écrasé. Et il a dit au bas, eh, c'est à moi, bacher ve'chazik ba. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui l'a dit, il a chatouillé un petit peu, il a pris le billet, et il a fait le maasé agba'a, il a soulevé de un tefar, avec toute la peine que ça implique, mais ze'che'chazik ba, zachaba. Le second qui est venu saisir, l'a acquis. C'est lui qui l'a acquis. C'est lui qui a fait l'acte d'acquisition. La notion est claire. Je suis sûr que vous êtes tous révoltés, en train de dire, mais quoi, c'est injuste. Alors d'abord, on va faire un petit peu d'ordre dans un point important qui est évoqué essentiellement dans Kiddushin, dans le troisième Perek, et qui est rapporté dans notre Sugya ici, dans le Tosfot. Pas le Tosfot, Yom Tov, Tosfot, c'est sur la Gemara cette fois-ci. Concrètement, il y a d'abord, premièrement, on va mieux poser la question. Il y a une question importante quand même à poser. Est-ce que le second qui est venu, il a fait quelque chose de juste, d'honnête ou pas ? Le premier, c'est lui qui l'a vu. C'est lui qui a désiré l'acquérir. Il a même plongé dessus, il est en train de l'écraser en étant sûr que c'est à lui. Et on lui dit, non mon pote, tu l'as pas acquise. C'est l'autre qui l'acquiert. Est-ce que l'autre, c'était honnête de venir ? Alors d'abord, premièrement, c'est pas une question à poser. Parce que lorsqu'on parle de législation, on ne pose pas des questions moussariotes, du moussar, de la morale, d'éthique. C'est pas notre problème, là, quand on parle concrètement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se retrouve dans la Torah, comme dans n'importe quelle loi de partout, dans tout le monde entier d'ailleurs, les Havdil. Il est possible que ce soit pas tellement joli, honnête, propre, et malgré tout, tu acquiers. D'accord, c'est une notion qui existe de partout, c'est d'accord. C'est comme si je vous dis, Shabbat, on n'a pas le droit de faire un cadeau à quelqu'un, c'est une halakha. On n'a pas le droit de faire un cadeau, on n'a pas le droit de donner quelque chose. S'il fait cadeau pendant Shabbat, eh ben l'autre il acquiert. Ah, c'était interdit de Rome, c'était pas Moussari, c'était pire que ça, c'était même Assour. Mais malgré tout, il y a des tas de choses dans la Torah où tu n'as pas le droit de les faire, et si tu les fais, ça marche. Un Kohen qui se marie avec une divorcée, ici se marie, il s'est marié avec elle. Il vit avec, en transgressant un interdit chaque jour. Mais en tout cas, il s'est marié, elle est mariée, on ne va pas dire « Non, puisqu'il y a un interdit, tu acquiers pas. » Dans la même notion ici, quand c'est juste un problème d'éthique, c'est pas joli, c'est vraiment pas sympa. D'abord, ça, c'était pour, premièrement, d'abord, pour réfuter la question, dire que la question, c'est pas une question. C'est pas, on ne pose pas des questions de « C'est pas joli, c'est pas notre problème, on parle de législation. » Mais pire que ça, il faut savoir que il y a des cas de figure, c'est une grosse sugya, mais on va quand même rapporter une petite halakha rapportée dans le Tosfot. Il y a des cas de figure où, supposé que par exemple, on était tous en train de chercher le billet de 100 shekels, l'unique billet. On sait que Réhouven, quand il a été pressé, il y a eu un billet qui s'est envolé.
D'accord? Donc on est tous en train de le chercher. Dans la mesure où l'un le trouve, puisqu'on est tous en compétition avant que lui le trouve, donc je peux amplement venir le saisir moi aussi, et je ne serai même pas un rachat, parce que c'est vrai que c'est lui qui l'a trouvé, mais alors j'étais moi aussi en train de chercher. C'est-à-dire, il y a une notion dans la Gemara de Ani Amaper Bechara ou Ba'acher Venetala, chez Nikra Racha. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose de spécial et quelqu'un d'autre est venu le lui shipper, qu'on l'appelle un Racha. Il y a une grande Sugya dans Kiddushin. Mais pour notre propos, à partir du moment où les deux personnes étaient déjà en compétition depuis le début, alors d'accord, t'as pris un petit avantage quand c'est toi le premier qui l'a vu, et même un autre avantage quand t'es venu te coucher dessus, mais pour le moment, puisque je suis en compétition avec toi, j'ai le droit de venir le saisir, et je m'appelle même pas un rachat, je suis tout à fait honnête. D'accord? Ça, c'était pour la première partie. Maintenant, pour comprendre un peu plus profondément cette première partie, on va maintenant introduire une notion qui va être explicite dans la suite de la Mishnah. Et on évoquera ensuite le cas particulier qui concerne la première partie. La notion qu'on va introduire, c'est la notion de Chatzero chez la dame Konalo. Comme on a dit, il faut faire un acte d'acquisition pour acquérir les choses. Prendre ce stylo, le lever, lui faire Agba'a, le lever de un tefar à partir du sol, dans ce cas-là, il m'appartient. Il y a encore plusieurs cas de figure, quelque chose de lourd, on attrape cette table là qui est devant moi, alors... Ouais, on ne peut pas la lever facilement, donc il faut forcément la tirer pour l'acquérir. Ça s'appelle Meshicha. Il y a encore un autre moyen d'acquisition qui s'appelle le Kinyan Chatser. Acquérir par le simple fait que l'objet est posé dans ma propriété. On va prendre d'abord un cas concret, simple. Supposons que vous êtes avec moi là dans mon salon, j'ai la fenêtre ouverte, et puis il y a un objet qui vient par la fenêtre, allez savoir quel oiseau avait une pièce dans le bec. Il est venu, il l'a lâché dans mon khatser, donc dans mon salon, par terre, elle est là. Et alors là, vous êtes là, vous dites, vous voulez partir aller la saisir, l'acquérir? Je lui dis, oh, je l'acquiers. Comment? Je ne fais pas d'acquisition. Oui, mais puisqu'elle est dans ma propriété, on va considérer ma propriété comme ma propre main. D'accord? Le fait que ce soit posé sur ma propriété fait que j'acquiers. Il y a bien sûr plein de règles, est-ce qu'il faut le vouloir, est-ce qu'il faut l'expliciter, dans quel cas de figure, mais en tout cas de manière générale, supposons que je suis à côté, que c'est un endroit fermé, d'accord? Comme le cas que je vous ai dit, la pièce qui rentre dans mon salon, depuis qu'elle est posée par terre, elle ne va plus ressortir, et je suis là à côté, et je dis, je l'acquiers, et même si je ne dis pas je l'acquiers, même si je pense uniquement à l'acquérir, alors je l'acquiers désormais, même si je ne vais pas faire d'acte d'acquisition, parce que cette fois-ci, on va considérer en fait, d'une certaine manière, que c'est tout mon khatser, mon khatser, c'est ma cour, donc en fait tout mon bien, toute ma maison qui soulève l'objet pour moi quelque part. C'est khatsero, shaladam, mishum yad, mishum shlichut. C'est une sugya très vaste dans la Gemara, dans l'ilchot kinanim. Pour vous donner une idée, ça touche même au ilchot gitin. Pire que ça, on déduit cette halakhala même dans des ilchot de get. Un homme doit impérativement donner le get à sa femme. Quand il divorce, un homme qui divorce sa femme, il doit lui prendre le papier du guet et lui donner dans sa main. D'accord? Ouais, Benatan Beyada, il y a marqué dans la Torah. Le Katav la Sefer Kedut, Benatan Beyada, donc il doit lui donner dans la main. Et de là-bas, on apprend qu'on peut donner à la femme aussi en le posant dans sa propriété. Si la femme, elle a une cour, d'accord? Elle a un bien immobilier, et bien je peux aussi partir lui poser sur ce bien immobilier, donc sur cette cour, et comme ça s'appelle qu'on considère que le guet est arrivé dans sa main. Ça, c'était l'introduction générale, c'est ce qu'on appelle chatsero, chatser, une cour, chatsero chez la dame konalo. D'accord? La cour d'un homme lui acquiert. Maintenant, pour plus de précision, la cour ne peut lui acquérir pour lui que si l'objet qui y rentre y demeurera et qu'il est ce qu'on appelle mishtamer le dato. Que l'objet qui arrive maintenant, il va être préservé, gardé pour le propriétaire de la cour. C'est-à-dire, en l'occurrence, j'ai pris le cas, donc je reviens sur ce cas-là, de la pièce de 10 shekels qui tombe dans mon salon. Donc dans ce cas-là, la pièce ne va plus ressortir d'elle-même dehors, et il peut toujours y avoir un oiseau qui va revenir, qui va la reprendre, mais en tout cas, en l'état, la pièce n'est pas censée bouger. À la différence, s'il y a un oiseau très rare qui rentre par la fenêtre, et qui vient et qui se pose sur ma cour, qui se pose sur ma table ou par terre. Et je vais dire, oh, je l'acquiers. Comment tu l'acquiers? Tu ne peux pas l'acquérir.
Tu vas à peine te lever pour bouger que l'oiseau, il va déjà s'envoler, il va se barrer de nouveau. Donc, l'oiseau n'est pas mishtamer le datra. Il n'est pas entré dans ta cour en restant ici pour y demeurer. Donc, tu ne peux pas acquérir, parce que cette fois-ci, tu ne contrôles pas la situation. Tu ne peux acquérir par ta cour que si la cour va te conserver, préserver l'objet qui est arrivé, mais pas si l'objet il va se barrer aussi facilement qu'il est rentré. D'accord ? Il va sortir aussi facilement qu'il est entré. Donc, pour en revenir à notre cas, ça va être des cas explicites en fait dans cette Mishnah, vraiment le cas de l'oiseau. On va prendre le cas, par exemple, de nouveau, le cas d'un tzvi, une gazelle, un cerf, qui rentre dans ma cour. Waouh ! Quelque chose de très rare. C'est cachère, on peut en manger, c'est tellement rare de pouvoir manger du cerf. J'étais tout content, je dis, allez, je l'acquiers. Si c'est un cerf qui court normalement, je ne pourrais pas l'acquérir. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas l'attraper. Je vais à peine le voleur me diriger qui va déjà me laisser prendre être à déjà 10 km de là. Donc je ne peux pas l'acquérir par mon chaser. Par contre, si le cerf a la patte cassée, de manière à ce qu'il ne va plus pouvoir courir, donc dès qu'il rentre dans ma cour, je vais pouvoir dire, je l'acquiers et maintenant, ben, maître, il est devenu le mien. Et même s'il y avait d'autres personnes qui étaient en train de le poursuivre pour essayer de l'acquérir, dès qu'il est entré dans ma cour, je dis je l'acquiers et je les plante tous. C'est moi qui ai gagné le cerf, même si eux, ils étaient en train de courir depuis déjà 5 minutes. D'accord ? Ok. Ça, c'était le cas général. J'hésite à le faire rentrer tout de suite. Le problème, c'est qu'en fait, c'est s'éloigner de la récha. Je pense que malgré tout, ce sera plus sage. On va le faire tout de suite. On le fait d'abord dans les mots, puis ensuite, je reviendrai vous rapporter un détail très important sur la première partie de la Mishnah qui sera rapportée dans le Parthénois. D'accord ? Donc, on fait ça d'abord dans les mots. Ra, otan, ratzin, achar, metzia. Donc, j'étais avec, sur ma chaise longue, avec mon verre de jus d'orange, sous le parasol, en train de bronzer pour ne pas me brûler la peau. Et donc, Ra, otan, ratzin, achar, metzia. Et d'un coup, j'ai vu Ra, j'ai vu, il a vu, otan, donc des hommes, ratzin, achar, metzia. Il a vu des hommes en train de courir après une trouvaille. Par exemple, Achar Tzvi Shavur, après un cerf Shavur cassé, donc qui avait la patte cassée. Donc, je suis assis là dans ma cour, et je vois des gens qui commencent, qui courent, et ils commencent à rentrer tous chez moi. Supposons que j'ai une porte ouverte, il n'y a pas de problème, je permets aux gens de rentrer dedans. Donc, ils continuent à le poursuivre quand le cerf entre dans ma propriété. Ou encore, Achar Gozalot Shelo Paruchu. Ou encore après des gozalotes. Des gozalotes, c'est des moineaux, des oisillons, shelo paruchu, qui ne savent pas encore s'envoler. D'accord ? Ve'ama, Zartali Sadi, il a dit, oh super, Zartali Sadi, que mon champ acquiert pour moi. D'accord ? L'izkot, c'est acquérir. Sadi, c'est Sadé Sheli. Donc, que mon champ acquiert pour moi, Zartalo, son champ a acquis pour lui. D'accord ? Parce que Khatsero Shaladam, Konalo. Mon Khatser, je suis connu avec mon Kinan Khatser. Barthénois va nous préciser, on n'a qu'à le dire, parce que par exemple, je suis à côté. Dans la mesure où on parle d'un champ qui a une porte ouverte, il faut nécessairement que je sois à côté pour que mon champ puisse acquérir. Si je ne suis plus à côté, donc je ne domine plus la situation. Donc, aussi facilement qu'il est entré, il sortira, donc je ne peux plus l'acquérir, comme on explique à l'oral. Ensuite, Ayat Sviratz Kedarko. S'il y avait un cerf qui courait normalement, au Shayu Gozalot Mafrichin, ou encore qui avait des Gozalot, donc des petits oisillons, Mafrichin, qui volaient librement, tranquillement, facilement, et Veaz, et alors il a dit, Vamar Zartali Sadi, il a dit, que mon champ les acquiert, Loamar Klum, il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que de nouveau, la règle élémentaire, elle est que ton champ ne peut acquérir que si, lorsque l'objet qui entre, tu le domines, tu gères la situation, tu vas pouvoir le prendre. Il y a en réalité deux cas de figure, concrètement. Il y a le cas où il y a toutes les portes ouvertes, mais je suis à côté de mon champ, de manière à ce que facilement je peux partir le prendre. Donc, on va considérer dans ce cas-là que c'est Khatser Mishtameret, c'est une cour qui préserve, qui garde bien les objets pour leur propriétaire. Et il y a le cas de figure où je ne suis pas dans le champ, pire que ça, même si je ne suis pas du tout là dans le secteur, mais là, on ne va pas parler de ça concrètement, il faut savoir quand même que ça existe, que c'est une pièce de 10 shekels qui entre, même si je ne suis pas du tout chez moi, je suis à 10 km,
Je suis à 100 km, à 1000 km. Mais quand je vais revenir dans une semaine, l'objet qui est entré, je vais le retrouver par terre parce que personne ne peut entrer le prendre, ce qu'on appelle un chaser mishtamer. Dans ce cas-là, chaser jaladam konalo shelo midato, même sans lui dire. D'accord? Enfin, concrètement, on retient juste que je dois être à côté pour dominer, gérer la situation. Et donc, dans ce cas-là, j'acquiers. Voilà pour la Mishnah. Le cas particulier maintenant que je vais revenir pour vous expliquer la Reisha, et ce sera d'ailleurs l'introduction pour ensuite entrer dans le Barthé Noir, c'est Arba Amot Shaladam Konalo, Birshut Arabim, Konalo. Une notion que peut-être vous avez déjà entendue, Konalo Birshut Arabim, et ouais, pas tellement Birshut Arabim en fait. Je sais pas pourquoi je dis Birshut Arabim, mais c'est pas grave. En tout cas, Arba Amot Shaladam, les Chachamim ont décrété qu'un homme peut acquérir aussi sur la voie publique dans le périmètre. Dans la petite surface de 4 amotes autour de lui. 4 amotes, ça fait 2 mètres. Une ama, c'est l'équivalent de 48 à 60 cm, selon le Chazonish, le Rabbi Chaim Naï. Donc 4 amotes, ça fait l'équivalent plus ou moins de 2 mètres. Tout ce qui est dans mon périmètre, vous faites autour de moi, je sais pas s'il faut faire un rond ou un carré, je pense qu'il faut plutôt faire un carré, même si logiquement il faudrait faire un rond, mais dans les autres Shabbat, en tout cas, ça paraît qu'on fait un carré en fait. Je suppose que c'est la même chose ici. Donc vous faites un carré autour de moi avec comme arête 2 mètres, donc en diagonale ça va faire plus que 2 mètres, d'accord? Mais en tout cas, vous faites autour de moi un carré de 2 mètres devant, 2 mètres derrière, et comme ça on fait un tour de 4 amotes autour de moi, donc un carré de 4 amotes. Tout ce qui est posé par terre, je peux l'acquérir Birshut Arabim. On précise un peu mieux. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de Khatser. Donc ma propriété, mon bien. Par contre, sur la voie publique, c'est plus ma propriété. Donc logiquement, je ne pourrais pas acquérir ce qui est posé dans le Rishut Arabim, puisque ça ne m'appartient pas. Malgré tout, la Chachamim ont fait un décret que l'on peut acquérir dans le Rishut Arabim, dans tout ce qui est dans un périmètre de 4 amotes. D'une certaine manière, Chachamim ont dit, les 4 amotes, tant que tu es à cette place, alors, les 4 amotes qui sont autour de toi, on va dire que ce périmètre-là t'appartient à toi. Quand tu bougeras, ils auront bougé avec toi. Mais tant que tu es présent, tu es posté ici, donc les 4 amotes autour de toi, c'est ton khatser, vraiment, c'est ta propriété. De ce fait, l'objet qui va entrer dans ces 4 amotes, ou qui est déjà même dans ces 4 amotes, t'appartient. D'accord? Donc, j'illustre ça concrètement. On va prendre le cas où je suis dans une petite ruelle discrète. Je fais exprès de prendre un cas un peu spécial où il n'y a pas tellement de va-et-vient. Donc, il y a par terre, je trouve 100 shekels et je dis « Oh, 100 shekels, super, j'acquiers !» Même si je ne me baisse pas pour les ramasser, ces 100 shekels m'appartiendront. Pourquoi? Parce que je les acquiers parce qu'on appelle le Kinyan Arba Amot Shaladam. Arba Amot Shaladam. Les 4 amotes qui sont autour d'un homme, ils lui appartiennent. De ce fait, ça c'est une halakha fixe. De nouveau, ça paraît même dans les Hilchot Gittin pour donner un guet à une femme, mais on ne va plus s'étaler. Mais on va juste prendre cette notion-là et l'expliquer par rapport à notre Mishnah. Notre Mishnah nous pose problème de ce fait. Si vous vous rappelez encore le premier cas qu'on avait évoqué dans la Mishnah, on parle de cette personne qui a vu le billet de 100 shekels et qui a couru et qui a plaqué les 100 shekels par terre en disant « c'est à moi !» Et l'autre est venu, il lui a chippé et on donne raison au deuxième. Mais question, lorsque le premier est venu, pourquoi il n'acquérerait pas avec les 4 amotes? Depuis le moment où il s'est couché dessus, c'est sûr que c'est dans ces 4 amotes. Alors pourquoi il n'acquiert pas? Question importante, réponse, il y a plusieurs réponses qui sont données. Le Barthé Noor va en rapporter une, on va se contenter d'elle. Que Chachamim ont décrété que 4 amotes, les 4 amotes, donc les 4 coudées autour d'un homme, n'acquièrent que lorsqu'il n'est pas vraiment dans le Rishut Arabim, sur la voie publique où il y a beaucoup de va-et-vient, mais en fait, dans les Tzidé Rishut Arabim, dans le Shvil HaYachid, dans des endroits qui appartiennent certes à la commune, c'est une partie commune, mais malgré tout, c'est une partie commune où il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, et donc on laisse les gens rester, s'asseoir, rester postés là-bas, fixe, d'accord? Et de ce fait, puisque personne ne va te reprocher le fait que tu... C'est-à-dire, quand on est sur la voie publique, en plein marché, imaginez, en plein marché de Ben Yehuda, quelqu'un s'assoit par terre. On va lui dire, hey, mon pote, lève-toi, c'est pas fait pour. Donc, puisque tu es dans une voie publique maintenant où tout le monde marche, autant qu'on te dit de bouger rapidement, t'as pas le droit de t'installer,
Donc on ne va pas te donner les quatre amot qui sont autour de toi. Par contre, si tu es dans un endroit, ce qu'on appelle les tzidé Reshut Rabim, les bas-côtés du Reshut Rabim, ouais, pas le trottoir, mais donc le bas-côté du trottoir, là où personne ne va se frotter contre les murs, de manière générale, alors on a le droit de rester posté là-bas, planté, on a le droit de rester sur place, et de ce fait, Rabbi, on va dire, dans ce cas-là, là-bas, tu pourras acquérir les quatre amot chez la dame. Et donc, le cas de Ra'et Ametzia, le cas de notre trouvaille de la Mishnah, il faut dire aussi qu'on parle que les 100 shekels étaient vraiment en pleine voie publique, et il s'est couché, et donc on lui donnera pas raison, malgré tout, justement, on lui dira pas qu'il pourra les acquérir par les quatre amot. On va s'arrêter là, et maintenant on va faire le Barthénora, Bezrat Hashem, Zecher, Zikba, Zachaba. On se rapporte sur le premier cas de la Mishnah, lorsque, donc, le cas qu'on est en train d'évoquer, il a vu la Metzia par terre, la trouvaille, il est parti, il s'est plaqué dessus pour l'acquérir, l'autre vient et la lui prend, le second l'acquiert, Zecher, Zikba, celui-ci qui est venu et qui l'a acquise, Zachaba l'a acquéri, l'a acquis. Pourquoi ? Vedavka, alors Barthénora nous précise, Vedavka, Shaita, Metzia, Birshut Harabim. On parle du cas où la trouvaille était Birshut Harabim. Donc pourquoi le premier qui s'est couché sur la Metzia, sur le la trouvaille, ne l'acquiert pas, parce qu'il était Birshut Harabim, en pleine voie publique. Shein arba amot shel adam konat lo Birshut Harabim. Les quatre amot, les quatre coudées autour d'un homme ne lui acquièrent pas lorsqu'il est Birshut Harabim. Le fikach amar zikba zacha, c'est pour ça que celui qui est venu qui l'a saisi, l'a acquise. Aval besimta. Par contre, si c'est dans une simta, ça peut être une ruelle, une impasse. Sheish vil shel yachid, qui a un statut de ce qu'on appelle shvil shel yachid, un petit chemin d'individuel, de particulier, même si concrètement ça appartient à tout le monde, mais malgré tout. Au betzide reshut rabim, encore sur les bas-côtés du reshut rabim, shel rabim de chakim sham, qui n'a pas beaucoup de pression du rabim, du public. Les quatre amot qui sont autour de lui lui acquièrent tout ce qu'il y a dedans. Et personne d'autre ne pourra ensuite venir acquérir cette Metzia sur la qui se trouve dans ces quatre amot à partir du moment où il a dit qu'il voudrait l'acquérir ou qu'il a même simplement exprimé, fait signe, il a vu qu'il était là et qu'il avait acquis. Pourquoi Chazamim ont fait ce décret-là d'acquérir dans les quatre amotes ? Afin d'éviter des rixes, les nitsouyés des disputes. D'accord ? Sinon, on ne va plus s'en sortir, ça va. Ouais, ça limite, ça évite les bagarres, quoi, tout simplement. Achar Svi Shavur. Ensuite, on se rapporte le deuxième cas de la Mishnah, où il y avait le fameux cerf qui entrait avec la patte cassée qui est en train de marcher et de s'enfuir des chasseurs qui est en train de courir après, donc. Et qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il était là, il a dit « Eh, j'acquiers ce Tzvi Shavur ». Sous-en lui dit « Toi, tu l'acquiers par ton Khatser ». Pourquoi? Le Bantanan nous explique « Sheno yachol larutz » parce qu'on parle d'un cerf, d'une gazelle, d'accord ?« Sheno yachol larutz » qui ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Et de ce fait, « Umishtamer betor chassade imlo iteluhu achirim » si les autres ne vont pas venir, ne vont pas réussir à saisir, alors « Umishtamer betor chassadehu » le cerf restera bien gardé maintenant dans sa propriété, maintenant qu'il est rentré. Avec Metzia, et donc c'est une Metzia qu'il peut acquérir, c'est une trouvaille qu'il peut acquérir de cette manière, à la différence, et donc Zartalo Sadeu, son champ, lui, acquiert, et le Barthénora nous précise de nouveau, Vehu Shomed Betzad Sadeu. Attention, on parle du cas où il est Omed Betzad Sadeu, où il est à côté de son propre champ. Vekegon Sheachol Larutz Achareen, Omagiyan Kodem Sheetsu Misadeu. Bon, mais qu'on parle du cas où il va pouvoir courir et attraper le cerf jusqu'à qu'il ne parvienne à sortir de l'autre côté. Donc, puisqu'il est sous ta domination, tu peux bien gérer la situation, qu'il ne va pas sortir de ton champ pourra acquérir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov, Selah.